Je suis arrivé chez Spindrift il y a 2 ans et demi pour être team manager, poste que j'avais déjà chez Groupama. Et puis j'ai travaillé aussi avec d'autres coureurs sur des supports qui étaient plutôt des gros bateaux et en course large. J'essaie d'aider l'équipe à gagner les courses. Et pour l'instant, chez Spindrift, ça a bien fonctionné puisque chaque année, on a un trophée majeur. On a dominé en Diam 24 et on a gagné le Tour de France à la voile. On a dominé avec les décisions et on a gagné le Bol d'Or. Et avec le Maxi, on a gagné Québec-Saint-Malo. Et quand on a fait notre Tour du Monde qui ne nous a pas permis de battre le trophée Jules Verne, on a quand même battu notre concurrent direct qui, lui, vient de battre le trophée Jules Verne d'une façon éclatante, ce qui nous laisse normalement supposer qu'on est capable de faire encore mieux. C'est toujours la même chose, il faut retourner travailler régulièrement et puis se remettre en cause et bien communiquer entre nous. Bah déjà l'année dernière, Yann et son équipe ont participé au World Tour. Et là, cette année, on attaque ça d'une façon plus pragmatique, c'est-à-dire qu'on met toutes les chances de notre côté. C'est passionnant parce qu'on retrouve les mêmes choses que dans les autres activités, mais il y a la nouvelle façon de faire du match race qui vient d'arriver et ça rend le jeu plus intéressant. Là, en match race, tu dois connaître parfaitement bien les règles et même l'interprétation que vont en faire les arbitres. On voudrait être champion du monde, il n'y a pas. C'est la seule raison pour laquelle on s'entraîne.